Les choses peuvent très mal se passer rapidement entre les pays de l'OTAN et la Russie. Et les pays de l'OTAN sont vraiment au courant que une puissance nucléaire ne perd pas une guerre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ou vous négociez, ou cette puissance ne perd pas la guerre, ou ça se passe très mal. On a vu ça lors de la Deuxième Guerre dite mondiale, où les Américains ont largué deux bombes à Hiroshima et Nagasaki. Ça, c'était pour rien. Parce que moi qui suivais Madiba, Tata, il avait dit que, clairement, et vous regardez aussi dans les faits historiques, le Japon était en train de capituler. Mais les Américains ont quand même largué deux bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Le message pour ceux qui ont fait un peu de géostratégie ou l'histoire simplement, c'était de dire aux Soviétiques à l'époque que nous avons cette arme-là. Donc faites attention avec nous. Si vous jouez avec nous, nous pouvons larguer ça chez vous aussi. Parce que les Soviétiques étaient puissants. C'est les Soviétiques qui ont perdu tellement d'hommes, mais en fait, qui ont mis en déroute et capturé le cadavre de Hitler. Cette fois-ci, c'est en Ukraine. Et c'est très compliqué ce qui se passe en Ukraine. Depuis 2 ans et demi, il y a une guerre atroce en Ukraine. Les Russes parlent d'opération spéciale, mais nous tous, nous savons que c'est toujours la guerre, parce que les gens meurent, les gens tombent. Mais pourquoi cette guerre? Quelle est la cause de cette guerre? Quand on a fini d'évacuer toute cette question, la réponse se trouve pas très loin. Et ceux qui sont à l'origine devraient comprendre qu'ils sont en train de faire face là à un adversaire coriace. Ce n'est pas un adversaire comme Gaddafi, comme Saddam Hussein, non. Ou Assad, à travers Poutine, qui les a mis aussi KO. C'est un adversaire qui fabrique les armes, c'est un adversaire qui détient l'arme atomique, les amis. Et moi-même, Macron, dans ses agissements, ses agitations, parce que si vous regardez bien, le président américain ne s'agite pas comme Emmanuel Macron. Même le premier ministre britannique, qui est mythomané, les amis, ne s'agite pas. Oui, on sait que Boris Johnson est parti, mythomané. Après, il y a Cameron, ancien premier ministre, celui-là qui a comploté contre la Libye avec Nicolas Sarkozy, est parti à Kiev en disant que les armes britanniques qu'on donne à Kiev doivent être utilisées pour frapper les territoires russes. Donc, les Russes ne doivent pas rester les mêmes. Ils ont les armes pour se protéger, ils ont les armes pour faire face à toutes ces menaces. Donc, du coup, les Russes commencent à réfléchir. Si les Britanniques donnent les armes pour qu'on frappe notre territoire directement et ils affirment ouvertement, nous devons prendre les mesures pour pouvoir nous défendre et leur envoyer un message fort. Si Emmanuel Macron parle d'envoi des troupes parce que c'est compliqué pour les Ukrainiens, nous devrons répondre de manière forte aussi. Et Dmitri Medvedev a dit à Emmanuel Macron que si la guerre nucléaire est déclenchée, il ne peut pas se cacher à l'Élysée. Ça ne sera pas possible pour lui de se cacher à l'Élysée. Écoutez très bien le message que l'ancien président de la Russie passe à Emmanuel Macron, les amis. Donc, Vladimir Poutine, aujourd'hui, il a ordonné des exercices nucléaires, oui, en mobilisant des troupes stationnant près de l'Ukraine. Donc, les troupes qui sont près de l'Ukraine sont mobilisées aujourd'hui. Et le ministre de la Défense russe parle de d'armes atomiques non stratégiques. Donc, ce n'est pas le genre qu'on disait, oui, ils peuvent bombarder juste ici, puis là-bas. Non stratégique, ça veut dire que c'est l'escalade. L'escalade nucléaire dont l'apocalypse n'est pas très loin. Et qui sont ceux-là qui sont en train de pousser vers cette escalade nucléaire? C'est des gens qui ont colonisé le monde entier. C'est des gens qui ont pillé le monde entier. C'est des gens qui ont, de façon illégale, spolié les biens des autres. Et dans leur tête, ils sont en train de perdre. Mais vous perdez quelque chose qui ne vous appartenait pas. Les gens, les propriétaires de leurs biens se disent aujourd'hui, laissez-nous avec nos choses. Et vous dites que vous êtes en train de perdre. Donc, ça dit que le voleur qui vient voler et que le quartier dit, oh, voleur, on l'attrape. Il dit que non, laissez-moi. C'est mon truc. Je vole ça depuis 100 ans. C'est depuis 100 ans que je vole ça. Donc, il fallait me laisser voler. Voilà donc, pour vous les amis, comment les élites en Occident aujourd'hui se comportent. La Russie ne va pas se laisser faire. S'il y a la guerre nucléaire, ça va toucher tout le monde. Et je répète, les Américains ne sont plus d'accord concernant les agitations d'Emmanuel Macron. Ils ne sont plus non plus d'accord avec les déclarations
de David Cameron. C'est pour cette raison que Donald Trump a refusé de rencontrer Cameron qui était aux États-Unis pour rencontrer la classe politique. Même le président du Congrès a refusé de rencontrer David Cameron. Voilà des gens des va-t-en-guerre et tout le monde le connaît. C'est les mêmes gens qui tournent autour. Certainement, c'est pour cette raison qu'on l'a nommé ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. C'est pour cette raison, parce qu'il adore la guerre, il vit avec la guerre, il a les contacts. Et ces contacts, c'est toujours pour faire la guerre. Et qui dit faire la guerre, c'est dit éliminer les êtres humains. Et on ne peut pas être quelqu'un qui respecte les règles si on a dans notre mindset, on veut faire la guerre, on veut faire la guerre. La guerre veut dire éliminer des êtres humains, comme je l'ai dit tout à l'heure, les amis. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Je pense que les Russes se préparent, mais bon, personne ne souhaite, les amis, honnêtement, personne ne souhaite qu'on arrive à ce niveau-là de l'escalade nucléaire, parce que ça sera catastrophique. Et Zelensky avec ses immeubles partout, et Macron avec, il croit qu'il va se cacher. Et ce qui est marrant, c'est que Macron se prend pour la France. La France appartient aux Français et non à Emmanuel Macron. Il est le président de la République, mais il ne peut pas inviter l'apocalypse en France. Si lui, il faut qu'il invite ça dans sa vie et dans sa famille, sauf que dans sa famille, même d'autres personnes vont dire qu'il faut qu'il invite ça dans lui-même, même dans sa propre famille, j'ai dit nucléaire. Les gens vont dire non, ça ne nous concerne pas, monsieur, prends ça sur toi. Donc, un peu de réflexion pour comprendre la dangerosité de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Il faut négocier. Donald Trump l'a dit, des voix s'élèvent au sud, en Afrique, tous les jours pour demander les négociations. C'est ça qui peut régler cette crise. Ce n'est pas avec les armes otaniennes. Thank you, friends, and bye-bye.